Amis de la force et des petits gâteaux, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du nerf Stormtrooper Deluxe. Deluxe, très important parce qu'il y a l'autre nerf Stormtrooper, mais il est tout petit, il tire qu'un seul coup. Celui-ci, c'est la réplique exacte du blaster qu'on peut voir dans les mains des Stormtroopers de Star Wars 7 The Force Awakens. Taille quasiment réelle avec la poignée super ergonomique. Bon, alors, c'est pas les mêmes couleurs, on s'en fiche, il y a du orange alors que dans le film, il n'y a pas d'orange. Mais c'est pour montrer que c'est un jouet. Qu'est-ce qu'on a sur ce blaster? Alors, ici, là, parce que je vois rien moi, avec ce casque, hein, de toute façon. C'est pour ça que les Stormtroopers visent mal. C'est le secret que je vous révèle. Quand on est là-dedans, on n'y voit rien du tout. Donc, d'où l'utilité du viseur qui ne sert à rien. De toute façon, je ne peux pas épauler. Je peux rien faire avec ce truc-là, c'est pas grave. Donc, il consiste en une poignée, une détente, ici. L'avant de l'appareil, ce petit truc-là qui, dans le film, sert juste à le porter. Nous, dans le nerf, il va servir à l'armer. Et là, on est prêt à tirer. Et là, il y a un truc très intéressant. Ici, vous voyez, les petits... Je ne sais pas si on les voit. Voilà, trois petits trucs rouges. Ça veut dire qu'il est prêt à tirer. Et une fois qu'on a tiré, hop, ça devient noir. Donc, on a un véritable indicateur de savoir si on est prêt à tirer ou pas. Là, donc, le viseur qu'on peut enlever ou remettre. Bon, de toute façon, il ne sert à rien, le pauvre viseur, mais... C'est pour le look et c'est très sympa. Une crosse qui n'est pas réglable. Elle est fixe. On peut l'enlever. Mais c'est plus sympa avec la crosse dessus. Moi, j'aime bien. Il est sympa. On a un vrai Stormtrooper. C'est génial d'avoir ça entre les mains. Si on est fan de Star Wars, on a vraiment un blaster de Stormtrooper entre les mains. Alors, donc, l'oreille tactique pour ça. La poignée d'armement. L'indicateur de tir. Pim. Ça, cette trappe, si jamais vous avez coincé une fléchette, vous pouvez avoir la trappe pour extraire la fléchette. Et hop, voilà. Donc, il manque quand même quelque chose ici pour pouvoir tirer, c'est-à-dire les fléchettes. Et les fléchettes sont incluses dans ce très joli chargeur blanc qui est fourni le chargeur est fourni avec le blaster. C'est un chargeur de 12 fléchettes. Alors évidemment, j'ai déjà perdu les fléchettes originales qui sont des très jolies fléchettes vertes ou rouges. Bon, je ne sais plus. Voilà. Donc, mais c'est compatible avec les fléchettes Elite. Donc, on en met 12 là-dedans. Et on va mettre le chargeur dans le blaster. Comme la plupart des nerfs mécaniques à chargeur, il faut d'abord armer le blaster. On met le chargeur. On ramène en avant et c'est prêt à tirer. On le voit... Au petit truc rouge. Alors, est-ce que ça tire? La réponse, mon cher Tom, je pense que la réponse est oui. Ça fonctionne très très bien. Quelle est la portée? Donc, d'ici au mur, j'ai 15 mètres. Yeah! Je refais, j'adore ça. Ouais, on a largement la portée. Enfin, largement, on est à 15 mètres, hein, pas beaucoup plus. Mais on a un blaster de Stormtrooper entre les mains. C'est génial, avec une super ergonomie, donc on a la pompe dessous, plutôt que d'avoir le truc par-dessus, qui n'est pas génial, la pompe dessous, c'est superbe. Alors pour ceux qui sont un petit peu dans la collection et qui connaissent bien les nerfs, ça ressemble furieusement au Rampage. Le Rampage, c'est un nerf où on a une pompe sur le dessous et le chargeur sur le côté. La coque a été remplacée, mais c'est exactement le même fonctionnement que le Rampage. Et le Rampage, qu'est-ce qu'il avait le Rampage? C'était un des premiers blasters à pouvoir proposer le tir en rafale. Ah, j'ai réussi. Ah, ah, j'ai réussi à le bloquer, donc. Donc, il est bloqué. Dans ce cas-là, on ouvre la trappe. Voilà. Donc, je peux ouvrir la trappe. Bon, mais c'est pas grave. Hop, je remets le chargeur. Alors, ça, c'était un des défauts aussi du Rampage. Parfois, ça se bloquait. Le tir en rafale, ça veut dire quoi? Je vais rester appuyé sur la détente. Et je vais pomper. Et on va voir si toutes les fléchettes partent en suivant. Vous voyez pas sous mon masque, mais j'ai un petit sourire sadique parce qu'il y a Tom Tom derrière sa caméra. Il est en train de se protéger et il pense que je vais viser dans sa main. Or, comme je ne vois rien du tout avec ce casque, je vais tirer n'importe où sauf dans sa main. Tom Tom, tu es prêt? Allez, c'est parti. Ah, enfer et putréfaction. Ah, j'ai encore enrayé. Qu'est-ce qui se... C'est tout pourri. Ah là 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 là.
Donc on comprend mieux pourquoi dans la guerre des étoiles, les forces de l'Empire perdent, parce que ils ont un matériel pourri, quoi. Et voilà. Et voilà, nous sommes victimes, malheureusement, d'un échec en direct. Live. Non, ça veut plus. C'est... Ça ne veut plus. Alors, ne faites pas ça à la maison. Alors, normalement, ça peut se réparer facilement en ouvrant, en décompressant. Ça peut aussi... Je vais le dire à Dark Vador, ça va très très mal se passer. Voilà, il est bloqué. Alors, bon, ben... Donc, tant que ça fonctionne, c'est très très bien. Quand ça ne fonctionne plus, ben, si vous avez une cheminée, vous le mettez sur la cheminée à côté des sabres de laser de la tête de Wookiee empaillée. Parce que, bon, ben là, il veut plus. Il veut plus, parce que... Le truc est coincé. Donc, je peux vous faire une réparation en direct live. Voilà, ça fait partie du jeu, malheureusement. Je viens de casser mon blaster Stormtrooper de luxe en direct. Il me restait encore une, deux, trois fléchettes. Donc Tom Tom, tu as échappé à une lapidation par fléchette en mousse terrible. Bon, celle-ci, elle est tordue, donc elle était bien coincée. Bon, voilà. C'était le blaster Stormtrooper de luxe par Nerf, qui est un très joli blaster. Ne vous arrêtez pas à ce détail. Ça arrive, c'est pas très grave, ça se répare. Mais bon, là, je suis en foutu de faire quoi que ce soit avec ce masque, j'ai pas de tournevis, voilà. Très joli blaster, bon. Allez, va-t'en, va ranger ta chambre. Si vous avez aimé... Alors, si vous avez aimé, ça, bon, si vous voulez, n'hésitez pas à cliquer sur like, à partager, à en parler autour de vous. N'hésitez pas à nous demander d'autres vidéos de Nerf. On m'avait demandé de faire celle-ci. Bon, ben, je l'ai fait. Voilà, c'est fait. Mais merci beaucoup et à très bientôt. Et que la force soit avec vous, évidemment. Et avec Vive le sport à la télé.